En soi, a long shot. Focalisation dernière. Perspective et conduite. De la déception. Sèche. À la hauteur trouble d'images racolées. La circonvolution des sens à extrader. Ici, simulée dans la plus petite économie. Éprouvée dans la distance. Entre. Le tracé des poussées insolentes aux nœuds huppés. L'extrême suffisance des muscles fous. Abstraction faite du battement sourd des effluves nocturnes. Et. L'air affiché de si près. La fraude désignée d'avance malmenant les démarches de l'affect. Retenu sur sa fin, le naturel retracé à contre-jour. Prendre tel ou tel axe, l'instant au brouillage utopique, malgré tout, s'attendrir. Alors, si j'ai choisi cette installation, c'est parce que je suis attirée par le rouge d'abord. L'idée de pénétrer dans une chambre rouge, de sentir toute la force de ce que le rouge peut représenter pour moi, c'est-à-dire à la fois la passion, la violence, la vie, la mort, me régénérer de cette force. Parce que je crois que c'est en touchant aux extrêmes que se forme et se transforme tout artiste créateur. Et l'acte de création, pour moi, c'est un acte de transformation de l'ego de l'artiste créateur. L'essence, je dirais, l'essence laïque de toute création, et là, dans cette transformation de l'ego du créateur. Et je crois que c'est la démarche qu'a suivie Irène Whitthome. D'ailleurs, le titre de son installation en témoigne, Individuel mythologème. Pour ma part, si j'avais à nommer la pratique d'écriture qui est la mienne, je la nommerais ainsi le théâtre de l'ego. J'aimerais ajouter aussi que, comme Irène Whitthome, je suis passionnée par les chiffres, particulièrement par le chiffre 5, qui est le chiffre de la transformation. Alors, pour Whitthome, le chiffre 5, c'est la rivière, c'est la force vitale. C'est l'être humain qui contient tout, qui est le contenant de toute cette force vitale. D'ailleurs, l'installation qui est la sienne ici, place tout contemplateur ou toute contemplatrice dans une position qui l'amène à se sentir comme un champ de force vitale. Parce que le contemplateur ou la contemplatrice est positionné dans une quadrature. Vous avez quatre murs et vous êtes là au beau milieu de cette quadrature. Alors, la quadrature à partir de laquelle a travaillé Whitthome est la suivante. Vous avez d'une part l'espace-temps, d'une réserve d'image mentale. Vous avez en face le journal de son expérience. Et ce face-à-face, si vous voulez l'interpréter, peut se déplier en trois parties. Si vous commencez par l'autre extrémité, vous pouvez comptabiliser, parce que je suis convaincue que Whitthome a travaillé à partir des chiffres et de la quantité des tableaux qui sont exposés ici est extrêmement importante. Vous n'avez qu'à comptabiliser les tableaux qui sont placés, qui sont disposés face à face. Et vous avez, alors là, en trois parties, vous passez d'une série de tableaux qui forment le chiffre 9, le chiffre 9 étant le chiffre de l'amour universel. Vous avez au centre des tableaux qui comptabilisent le chiffre 7 étant le chiffre de la spiritualité. Et vous avez ici 5 tableaux, qui est le chiffre du changement, le chiffre 5. L'autre face-à-face, l'autre miroir que vous avez, ce sont deux séries de 60 tableaux. Vous avez d'une part les 60 portraits des égaux d'Allemands qui ont travaillé à la reconstitution de l'Allemagne d'après-guerre. Et vous avez en face 60 autres tableaux qui sont des collages, desquels d'ailleurs l'auteur s'absente. En fait, vous ne trouvez aucun portrait de l'auteur sur ces collages-là. Et avec raison, parce que je crois qu'elle a travaillé justement le rapport sujet-objet, le rapport capital culturel de l'Allemagne, de Kassel particulièrement en 1972, et le capital humaniste, humanitaire de l'Allemagne d'après-guerre.
Alors, pour ma part, la quadrature, elle est extrêmement importante dans mon travail d'écriture. Toutes les images à partir desquelles je travaille arrivent à un point de coïncidence, le point 5, que je nomme le point jouissif. Et ce point jouissif-là, il est constitué de quatre extrêmes qui sont les suivants et qu'il faut lire de façon analogique. L'euphorie est à la dysphorie, ce que l'espace est au temps. Alors pour moi, il est extrêmement essentiel d'inscrire dans toute ma démarche poétique le rapport que l'ego, que le jeu écrivain entretient avec son écriture. Alors le premier poème que j'ai lu en témoigne, enfin le long shot, témoigne justement de cette distance que le sujet, l'ego du créateur, prend par rapport à l'affect qu'il décrit dans son écriture. Et le deuxième poème, qui s'intitule Synchrony City, c'est justement le point 5, c'est justement le point de la synchronie des contraires, le point jouissif, la ville où habite mon double immatériel qui a pour nom Mysmorphose. Ne pas voir ceci, voir plutôt cela, ou non, ne pas voir du tout, ou encore, voir tout sans réserve, mais surtout, ne pas voir. Souffrir d'un mal incurable, souffrir plutôt d'un mal complaisant, ou non, ne pas souffrir de mal à perdre, ou encore, souffrir de mal nécessaire, mais surtout, ne pas souffrir. Ne pas réaliser la fin du siècle, réaliser plutôt le début du siècle, ou non, ne pas réaliser le siècle, ou encore réaliser tous les siècles dans un, mais surtout, ne pas réaliser. Sentir ce qu'il faut retenir de retenu. Pour jouir de la force, pour vivre mourir d'apoplexie, pour vivre mourir d'anorexie, pour vivre mourir de désinvolture, pour vivre mourir de détonnement, pour toucher aux extrêmes, pour danser à perpète, pour peupler sa conscience, pour l'instant lumière. De Perpète à Synchrony City, Mysmorphose, de son petit nom, méta, la tendre aphorie, a les yeux ouverts de retenue. Absorbe, observe, alors qu'il est Satan. Sa force depuis toujours jusqu'à toute coïncidence, la conscience en son retour métamorphique, la jouissance de la jouissance, l'hyperconscience, la concentration dans les zones attisées d'aise sensuelle, la percussion du vouloir être état dans l'étalement de la pensée corpusculaire. Le maniaque au rasoir. Je lis un lecteur, Robert Racine. Le petit Robert de Bouvard et Pécuchet, en montre sur des fonds latex qui rappellent un papier neuf, une carte disposée à recevoir les inscriptions du commentaire. Oui, ces murs sont du blanc pour écrire. Il y a un sentiment de neutre là qui vise directement le cerveau, qui inquiète aussi. Nous sommes devant la pointe de l'iceberg. Du neutre donc, comme si on avait évacué les meubles pour voir de quoi retourne le matériau brut. On regarde les murs. L'intelligence est sollicitée presque avec violence. On en reparlera, et nos phrases, clairement, seront des satellites de la production. On s'approche des surfaces dentelées et perforées par le miroir. Le code n'est pas donné, et il prend toute la surface. Il y a ce caviardage des mots d'entrée où je vois mon œil, et des frottis de visage à l'arrière-plan, comme si la volonté de tout lexique était de mettre le doigt sur des noms propres. Je suis, vous êtes, nous sommes le référent. Je lis Robert Racine qui me rassure parce que j'ai toujours vu la langue autrement que comme une grosse machine uniquement sémantique et complètement étrangère aux séductions formelles. L'écriture peut occuper des espaces, elle peut se voir, elle peut donner le ton aux scénarios les plus audacieux.
Admettons que c'est une découverte et qu'elle serait de bon augure pour la mise en scène d'un code maniaque. Voir Robert Racine ou parler de Robert Racine, est-ce que cela revient au même? J'ai choisi de parler du travail de Robert Racine, exposé ici à Aurora Borealis, parce que c'est un travail clean et que ça me plaît esthétiquement, et aussi parce que c'est un travail que je considère hautement intellectuel. Je le dis sans ironie. Un de mes amis critiques me disait qu'en littérature, il y avait deux types d'œuvres marquantes, les œuvres importantes et les œuvres séduisantes. Et qu'on ne pouvait jamais avoir les deux en même temps, ce qui revenait à dire que les œuvres importantes étaient souvent plates et que les œuvres séduisantes étaient souvent trop commerciales pour avoir leur part de théorie. Je pense qu'avec le travail de Robert Racine, on se retrouve un peu dans cette jonction de l'œuvre à la fois séduisante et importante. Importante parce que tout le travail de Robert Racine, subsiste surtout par le discours théorique qu'il suscite. D'ailleurs, ce qui reste de ses performances et de ses installations précédentes, c'est ce qu'on en raconte aujourd'hui. Séduisant aussi parce que c'est le langage qui est le matériau de base, et je crois qu'en art plastique, c'est toujours une façon un peu de jouer gagnant que de parler de langage. Ce qui est intéressant aussi dans ce travail-là, c'est que ces trous-là, ces jours-là dans la page laissent place à un miroir. Et le spectateur ou la personne qui regarde ça se trouve à être réfléchi et l'image de la personne se trouve à faire partie de l'œuvre. Les plus grands espaces du miroir sont les mots d'entrée. C'est les espaces où on peut se reconnaître le plus. Et le jeu, je crois, c'est de voir si on correspond aux définitions qui suivent. Dans le travail que je fais en tant qu'écrivain, il y a une certaine manie que je trouve un peu compatible avec celle de Robert Racine. C'est sûr que j'en suis pas à faire des œuvres de 3000 pages, mais il y a une sorte de respect du langage qui se dégage d'un traitement pareil. Et ça, je pense que tous les poètes l'ont. Il y a un côté maniaque, évidemment, qui me plaît chez Robert Racine. C'est sûr que d'avoir travaillé toutes les pages du dictionnaire, comme ça, de les avoir surcodées, parce qu'on est déjà en présence d'un code sans avoir à travailler ça, c'est maniaque, c'est fou. Parce qu'il faut aussi souligner qu'on est en présence ici, comme je disais dans mon texte, de la pointe de l'iceberg. On a 4 pages de dictionnaire, mais je suis certain que l'auteur a fait ça avec toutes les pages de dictionnaire, ce qui fait à peu près 3000 pages de dictionnaire. Le code est très précis aussi. C'est des perforations, du caviardage. Il y a un code aussi. Il y a des soulignés, des pointillés, des notes de musique. Toutes les notes de musique aussi enchâssées dans les mots qui apparaissent ont été relevées. Comme dans le mot « route », il y a « ut ». « Ut » est souligné parce que c'est une note. Dans le mot « voilà », le « là » est souligné parce que c'est une note de musique. Et un fond sonore aussi. Faire ça avec 3000 pages, je crois que c'est complètement maniaque. Et c'est aussi un signe de santé pour le sens d'une œuvre, à mon avis. Écrire au matin, crème dans les phrases, aucun mot sur le café, neige des idées noires, l'aiguille prolonge le temps, la douleur infiltre la femme, attaque bientôt le jour. Qu'importe le pain, la confiture manque, laisse un goût voilé au palais du souvenir. Qu'importe le poème, la journée va mal passer à demain, n'en finira plus d'aujourd'hui.
Écrire au jour, le jour suivant se laisse prendre, la lumière de la page, fidèle à cette image, du corps penché vers la main, attaché à un crayon, la clarté tombe à nouveau sur les rêves. Qu'importe la nuit, sa douleur noire ressemble à l'encre de nos écrits, jamais terminée. Qu'importe le rêve, s'il naît de jour ou de soleil, qui ne le voit dépasser la réalité. Écrire toujours la lente découverte d'un mot, le même, parfois un autre, rue, tanaisie, fleur jaune, digestion assurée, béton, asphalte, vous ne poussez plus, vous ne courez plus au bout de la mine. Qu'importe un paysage ou l'autre, les vers se ressemblent et ton visage en est toujours absent. Qu'importe les sables s'ils ne sont blancs et si je ne peux m'y rouler dedans. Écrire souvent le cheminement d'un texte, image de toi, loin du corps des mots, cette passion de l'œil, à l'envers du bonheur, marche implacable des heures, s'égrène dans un sourire à travers la mort. Qu'importe la neige ou le blanc, toute pudeur n'est pas bonne à laisser voir, ailleurs et entre nous. Qu'importe la feuille, même blanche, si elle cache encore des mots, des désirs, l'inavouable. Ce que j'ai aimé quand je suis arrivée dans cette salle-ci, dans la salle de Lizzie Magor, c'est que cette installation-ci a pour moi toutes les qualités d'une installation. D'abord, elle investit complètement la pièce, avec le mur qu'elle recouvre, avec le plancher où elle a aligner sa fabrique de briques et avec les instruments, les outils dont elle s'est servie pour justement faire ces briques. Et c'est une œuvre qui, pour moi, tient de l'éphémérité parce que le journal, le papier journal, est-ce qu'il y a quelque chose de plus éphémère? À tous les jours, on doit le jeter ou le papier, ça brûle, ça ne tient pas. Mais en même temps, à cette éphémérité, elle donne une durabilité. Elle construit des murs avec, elle se construit une maison, comme les architectes. C'est comme si elle voulait inscrire le quotidien du papier journal dans une œuvre qui va durer dans la grande histoire de l'histoire de l'art. Qu'est-ce qui va rester de cette installation quand elle va partir, elle va quitter les lieux? Cette œuvre essaie de faire une histoire, avec les histoires de chacun, les histoires du quotidien de chacun. Et c'est en cela, je pense, qu'elle rejoint mon œuvre, qu'elle rejoint ma poésie. Ma poésie, j'essaie de faire, de comme magnifier un peu le quotidien, de lui donner une autre image, un autre aspect. Alors, cette œuvre-ci essaie, elle prend des histoires de chacun et elle en fait une construction, une œuvre qui, je pense, qu'elle veut inscrire dans une œuvre plus grande, une histoire plus grande, comme l'histoire de l'art contemporain, peut-être. Vous voyez, elle s'est pas servie de matériaux nobles, comme le marteau ou les ciseaux pour sculpter, tout ça. Elle s'est servie de la machine à laver. Tout le monde, on a une machine à laver chez nous. C'est un geste quotidien. On lave soit le linge, soit la vaisselle. Mais alors, elle utilise ça. Elle utilise les bacs d'eau qu'on utilise aussi. Alors, moi, j'essaie d'aussi, dans ma poésie, d'utiliser des mots du quotidien, des choses, des références au quotidien, comme ça, des mots simples, des mots qui ne soient pas compliqués. Elle fait avec le papier journal des briques, alors elle fait avec les histoires de chacun une histoire, et moi, avec des mots, j'essaie de faire des histoires, mon histoire peut-être, mais aussi en même temps l'histoire des femmes. Première chambre, les accessoires de la pensée. Une série d'accords négligeables et pourtant ce que nous livre le réel. Une femme jeune parlant de sa fille, sa voix pleine d'issues comme un carrefour. Une femme jeune parlant plusieurs langues dans sa vie privée. Le système de son, les livres de recettes, le téléphone et la télévision. Dans la chambre de travail, tout est précis et hypothétique comme des cris d'enfants.
un détail et une foule de prescriptions. Un voyage au Portugal. Carla lit la liste de ce qu'il faut faire aujourd'hui et triche un peu. Tout est permis au comptoir des objets trouvés, comme tout est repris au comptoir des cosmétiques. Montréal, 1985, l'histoire de Carla se prononce à l'intérieur d'une seule phrase, d'un tout petit écart sonore, à la sortie d'une image comme aujourd'hui. Bon, alors, il s'agit d'un chapeau qu'on a posé devant la photographie d'un escalier ornementé. C'est comme l'entrée d'un escalier. Ça pourrait être un escalier qui mène à un métro. D'abord, c'est la simplicité de cette installation-là. Ensuite, c'est le titre. Ça s'appelle « A Directed View, The First Two Rooms ». Ça veut dire « une vue dirigée ». Et une vue dirigée, pour moi, c'était un peu la définition du travail de fiction, plus spécifiquement de mon travail à moi. L'extrait que j'ai lu, c'est un extrait du manuscrit qui s'intitule « Les chambres de l'abstraction ». Et puis d'ailleurs, je me suis rendu compte plus tard que l'installation de John Massey portait en sous-titre aussi l'idée de chambre que j'avais dans mon manuscrit. C'est que je trouvais que formellement, le travail de John Massey se rapprochait peut-être un peu du mien. Dans le sens que cette installation-là se situe pour moi au bord du récit. Ça veut dire que dès le moment où on a posé le chapeau face à la photographie, tout peut arriver, on peut inventer n'importe quelle histoire. Et c'est cette frontière-là entre l'image et le récit qui m'intéresse. Je travaille là-dessus dans ce que j'écris. Il me semble que cette œuvre-là pose les mêmes questions que je pose dans mon travail formel. Je me suis toujours interrogée à savoir comment je pouvais écrire l'image, comment faire surgir l'image entre les mots. Il me semble que cette installation-là pose cette question-là aussi, mais d'une manière différente. Le chapeau est là, et tout peut... C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le chapeau est posé là? On peut imaginer n'importe quel récit à partir de là. Cette œuvre-là a un potentiel narratif. Alors, c'est assez curieux parce que, d'une façon naturelle, je ne suis pas porté à m'intéresser vraiment directement aux productions d'art contemporain. Mais je suis venu ici un peu par curiosité, en n'étant pas rébarbatif, mais quand même un peu perplexe par rapport à ce que j'étais pour découvrir. Je n'ai pas été emballé d'une façon générale, mais il y a 4 ou 5 œuvres quand même qui m'ont assez piqué, dont celle-ci. Que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Alors, ce genre d'exposition, finalement, ça n'a jamais été pour moi une source d'inspiration directe pour écrire, pour faire mes textes. J'ai jamais fait de texte sur la peinture ou à partir de performances ou à partir d'installations comme ici.
Cependant, je suis venu ici d'une façon un peu par hasard. Je savais que l'exposition durait depuis un bon moment. Et je suis venu par hasard, et puis là, je regarde ça, et j'ai découvert des choses là, que je ne pensais pas du tout découvrir. Mais cette pièce de John Massey, je l'ai trouvée très intéressante parce que, à un certain niveau, elle correspondait exactement à la même manière dont j'écris. Ça peut paraître paradoxal de dire ça, parce que des mots sur une feuille et du plâtre sur un mur, ça ne devrait pas vraiment avoir de rapport. Mais pourtant, ça en a. Pour un écrivain, le matériau, c'est les mots, des phrases, un arrangement ou, si on veut, une installation dans une page. Dans le cas de l'installateur, entre guillemets, dans ce cas-là, il a pris du plâtre qu'il a appliqué sur un mur dans une forme particulière et il a conçu son éclairage à partir d'un réflecteur et d'un miroir. C'est assez intéressant parce que ce miroir-là, lorsqu'on se trouve dans la pièce où l'installation se trouve, on peut se placer à un bout, à une extrémité de la pièce, et là, voir la pièce qui est d'une couleur, voir la pièce avec une couleur un peu plus nuancée dans le miroir, se voir dans le miroir et se voir regardant la pièce ou regardant même les deux pièces, celle qui est dans le miroir et celle qui est sur le mur. Si on change de place, on se rend compte aussi que les couleurs, ou la couleur des deux pièces, celle qui est dans le miroir et celle qui est sur le mur, changent. Celle qui était blanche devient grise, celle qui était grise devient blanche. C'est assez étonnant. Alors, dans les textes que j'écris, il se passe un peu cette chose-là, une espèce d'effet de miroir. On lit le texte, on se retourne, on revient au texte, et chaque fois, la lecture peut être différente. Chaque fois, la lecture peut donner une impression différente. Il y a là une sorte de contraction du sens, de choc des sens. Je ne parle pas des sens du toucher, du nez, etc., mais du sens intellectuel qui peut varier d'une lecture à l'autre, d'une ligne à l'autre, d'une page à l'autre. Et là, il y a donc, j'ai ressenti la même chose en voyant la pièce de John Massey. Je regardais ce tableau-là et quand je le regardais dans le miroir, quand je le regardais directement, j'avais vraiment une lecture du tableau qui était différente à chaque fois. Là, il y a un point un peu difficile à expliquer, mais j'ai quand même tenté de le faire. Il est assez clair, en regardant la pièce principale de l'installation, qu'il y a là des textures faites avec du plâtre et du relief. Il y a du grain, il y a des trous, et tout ça se voit. Dans un texte littéraire, ce n'est pas aussi évident. Dans cette situation-ci, c'est que j'ai découvert un parallèle très net entre les textes et la pièce en question. Pour en dire davantage, il faudrait que je revienne un petit peu en arrière et que je me pose la question suivante. Pourquoi est-ce que ça s'appelle des installations? C'est peut-être parce que les gens qui se sont mis à faire ce genre de travaux-là ont un peu oublié que la peinture, ça existait, que la sculpture, ça existait, ou que d'autres médias en art visuel existaient. Ils ont peut-être volontairement oublié. Si ce n'était que pour cette raison-là, ça valait plus ou moins la peine d'inventer le mot « installation » pour décrire ce qu'ils faisaient, malgré qu'on trouve rarement quelque part une définition du mot « installation ». En littérature, il se passe plus ou moins la même chose. Je ne dis pas que tout le monde fait ce genre de réflexion-là, mais il y en a un certain nombre de personnes qui font ce genre de réflexion-là et qui se disent que, par exemple, le roman ou la poésie, ça peut changer de forme. On n'est pas obligé de toujours refaire des romans et de refaire de la poésie. On peut trouver une sorte de forme qui est un mélange de tout ça. Et à l'intérieur de ce mélange-là, on peut encore même compliquer les choses et dire non, le récit qui commence par sujet, verbe, complément, ou qui commence par introduction, déroulement, conclusion, si on veut, tout ça peut être chambardé. Et on peut créer des pièces qui sont intéressantes et qui sont assez bizarres, qui peuvent être très ambiguës, qui peuvent être très curieuses, et devant lesquels on pourrait dire « non, non, mais je ne comprends rien, ça ne m'intéresse pas vraiment, c'est illisible et tout ça ». Mais si on les aborde avec un regard ou avec une lecture qui n'est pas fermée, on se retrouve exactement dans la même situation que devant une pièce comme ça, qui peut sembler au premier venu un peu bizarre, un peu
curieuse et on se demande pourquoi est-ce que le créateur n'a pas éclairé directement sa pièce plutôt que de passer par un miroir. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, il y a vraiment un travail littéraire qui se fait et un travail en art visuel qui se fait qui ont le même cheminement. Ce n'est pas la même chose, c'est un cheminement parallèle. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Et je ne pensais pas que ça pouvait se trouver, ce parallèle-là, entre la littérature et le travail en art visuel. J'ai écrit mon texte parce que j'ai été fascinée par ce cube parfait, par ces 693 ossements, par ce chien qui revenait sans cesse rapporter son os fini, et par l'auteur qui, dans une espèce d'excès, accumule les os, et enfin fait un montage. Quand je suis sortie d'ici, j'étais poursuivie par cette œuvre-là, par la perfection de ce cube-là, et j'ai voulu écrire ce que c'était que ce cube, ce que c'était que cette célébration entre un chien, son maître, entre un peintre et peut-être un poète. De son chien à son chien, des eaux, des tours montées en douce de fragments de clairière, au pied d'un arbre d'arbres, on rêvait où s'étendre, carré parfait de terre ou meuble ou glaise ou ronde, une île verte où l'on venait mourir, à la nage pour comble, d'ameuter ou sans corps. On voyait des oiseaux et des fils, tenus de pied à ciel l'écho d'un tourniquet, ou peut-être l'hiver des sapins sauves et courts, trop courts à s'étrangler, les cernes d'une île nue. On noyait ses chagrins de septembre à octobre. On n'a pas vu octobre. On disait qu'on mourait et pour 20 ans de mort. C'était où l'art de soi des murs de son lit. Pas clair ses graffitis pour dire ce qu'on a fait. On tombait d'une échelle, c'était trop de photos. Chien savant sur sa tombe, gorge de rouge, gorge. On allait chez ses plaies comme tenir des roses, à prendre tout son temps, des fleurs amorties, de gris, de bouche à bouche. Les aigles traversent l'horizon blanchi. Leurs coups de bec fendent les crânes chauves, déchirent les joues des enfants. Une nuée d'anges croise une fenêtre au regard troublé. Tu t'étonnes que le cadran n'ait pas encore sonné. Au petit déjeuner, la raison a droit de se tromper. En as-tu assez d'être ici? Les haut-parleurs hurlent. Le vin fortifie ceux qui se fatiguent à aider leurs prochains. Tous t'appellent, non pas le croyant, mais celui qui regarde, car tu regardes dedans et ne vois que le dehors. Sors de l'ombre et trouve ta place dans la clairière du monde. Voici le monde baroque de Pierre Dorion. Je vois ici des toiles de personnages divers, de monde biblique, du monde ordinaire, mais toujours avec une vision sacrée, religieuse, à multiples visages, multiples points de vue. Côté sacré versus côté réalité. La toile du fond, par exemple, réalité bien ordinaire, mais toujours vue
d'une façon sacrée, avec la référence à la mort. Dans le fond, ici, nous avons des sœurs avec des bouquets de fleurs. Nous avons une image du Christ en arrière. Mais c'est intéressant que c'est une vision moderne du passé. C'est du présent revu avec des yeux du passé. Ce que Pierre Dorion fait, c'est de mélanger le quotidien ordinaire avec ce qui n'est pas ordinaire. Il y a l'image de la folle ici, qui... avec une luce. Donc, c'est quoi? C'est avec un livre aussi, je crois. C'est quoi? C'est l'image de l'artiste? Peut-être. Certainement l'image de la vision, puisqu'il y a un rayon de soleil qui le touche au fond. Il y a aussi en haut, qui fait contact à ça, une image presque botticellienne de la pureté, totalement différente, avec des anges, avec des cupidons. Donc, quelque chose, bien, en plus, quelque chose de très paisible comparé à la folle qui est vraiment très violente. Il y a aussi ici des images dans le fond de apocalyptique, cette lumière qui vient de tout partout et de nulle part. Il y a aussi ici l'image de la mort qui est aussi étonnante. Hein? On voit la mort, mais c'est comme si la mort faisait référence à autre chose. On voit directement la référence à ce côté sacré, quoi, à Dieu, peut-être. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Dante. L'image de l'enfer, le ciel, le paradis. D'ailleurs, il y a la Bible de Saint James en arrière, ici, qui a une citation de Job. On lit, je lisais tantôt, on y lit la question suivante. Est-ce que en étant bon, ça garantit le bonheur avec le bon Dieu? Le bon Dieu, c'est quoi? Pierre Dorion pose la question du sacré. Il demande c'est quoi le bon Dieu? Et on voit ici une image du Christ, mais en même temps, l'image du fond qui te rappelle, non, c'est pas ça, ce n'est pas intimement lié. C'est comme s'il y avait une ombre quelque part. D'ailleurs, de l'autre côté, en parlant des ombres, il y a, je crois que c'est la présentation de la magique lanterne française durant la Révolution, où on voit des diables apparaître sur un écran. Donc, est-ce que c'est une référence au cinéma? Ça se pourrait. Je pense qu'il y a beaucoup de références aux arts. C'est normal, on est dans un milieu artistique. Il ne faut jamais oublier que ça, c'est de l'artiste qui parle. Et je pense, voilà le message de l'artiste. En tant que latin, moi, je trouve que c'est une référence à Dante, mais aussi aux Esquimaux. OK, c'est un Canadien, c'est un Québécois qui parle. Le chaman qui fait le lien entre l'être humain et ce qui n'est pas humain, les anges, le bon Dieu, le Dieu, le diable, absolument le diable. Comme il y a correspondance entre l'humain et le non-humain, il y a aussi la référence entre le bon et le mal. Il y a beaucoup de références tacites au mal. Jamais est-ce qu'on peut dire, ah, il y a un mal ici, est-ce qu'il y a un péché? On sait pas, on peut pas le dire si l'artiste, la folle, elle est méchante. La question se pose quand même, mais jamais est-ce qu'il te dit, voilà, ça c'est une image du péché. Donc, péché, est-ce qu'il y a une possibilité de salut? Je ne pense pas que le salut entre en jeu. Je crois que l'artiste lui-même pose la question. Il n'y a pas de réponse. Le salut vient du geste. Je crois que c'est ça qui compte, c'est le geste. C'est ça le salut. Si on travaille, on y arrive. L'artiste, tant qu'il achève son œuvre, il va être sauvé. Sauvé dans le sens où c'est toujours ambigu. Hein? On ne parle pas de... J'essaie pas de parler de... Je ne veux pas, surtout pas parler de salut chrétien ou non chrétien. Je veux parler surtout d'un salut sacré, sans institution. Et l'artiste ici parle de ça. Même l'institution du temps la compte.
J'avais sur la poitrine mon talisman de chaman et je volais. Talisman de cuivre ou d'étain, je ne sais, mais je volais au-dessus du village d'Odanak, à l'horizontale, précédé par le hurlement de 3 siècles d'histoire. Regard de squelette, tombeaux ouverts. Je ne savais pas reconnaître les ossements indiens des ossements français. La mort n'est pas raciste. Je voyais se réaliser le communisme intégral de la tombe après la destruction du communisme primitif des tribus. Je me souvenais du temps où la terre et les eaux appartenaient à tous dans ces territoires sans cadastre où bouillonnait la fraternité compétitive des clans. Est-ce qu'en moi s'agitaient des idées? Non, je n'avais pas d'idées. Le coma me mêlait à l'humus. Je devenais feuille qui fuit, feuille qui tombe à l'automne. Je me disais, la vie n'est qu'un mauvais moment à passer. Au-dessus de moi s'agitaient les insectes et leur royaume. Je m'intéresse depuis longtemps non seulement aux Indiens, mais aux Inuits et au chamanisme. Le chamanisme, c'est au fond, le chaman, c'est le sorcier des tribus Inuits et des Indiens. Et c'est plus qu'un sorcier, c'est un magicien et c'est en même temps celui qui établit les rapports entre ce monde-ci et un au-delà, si on veut, et aussi entre ce monde-ci et les animaux, c'est-à-dire les êtres humains et les animaux. Et il fait tout ça, en grande partie en tout cas, en se servant des ossements, des os. Il installe des os, par exemple, dans les arbres. Et pour lui, c'est comme s'il rendait à l'animal une partie, en tout cas, de son bien. Et il espère que cette offrande va pouvoir permettre à l'animal de se reproduire et de donner de nouveau de la nourriture à son peuple, à sa tribu. En tout cas, pour moi, cette espèce de mobile fait avec des ossements, cet ossuaire, en somme, c'était comme un objet rituel. Et c'est ça qui m'a frappé. Je dois dire que les arbres, à ce moment-là, étaient tout verts. Et donc, le contraste entre cette verdure et cette vie et cette mort des ossements, là, ça aussi, ça créait une espèce d'émotion, de contrepoint, si on veut. Mais je trouve que les œuvres peuvent faire bon ménage avec la poésie, dans la mesure où des œuvres plastiques peuvent faire bon ménage, parce que c'est un tout autre vocabulaire et les œuvres plastiques s'expriment évidemment dans l'espace, alors que la poésie s'exprime dans le temps. C'est une différence essentielle. Mais je dois dire qu'il y a plusieurs salles qui ont retenu mon attention à cause soit de leur impact, soit de leur unité, soit de leur complexité, ou du mystère que parfois on pouvait y déceler. Alors, oui, il faut dire que pour moi, les œuvres plastiques parlent un langage que je comprends en général assez bien, parce que depuis longtemps, ça m'intéresse. Thank you.
l'étanchéité de la dérive. Côte à côte encore pour voir jusqu'où. L'interrogatoire. Tu t'intéresses de plus en plus aux longues traversées. Au bout du compte, fatalement, nous en arriverons à jouer avec les mots, sur eux. La mort au bout du compte. L'interrogatoire. Les questions-réponses dans les lignes de la main. Bougera ou ne bougera pas. Te prendra par surprise. La subtilité de la feinte, par surprise, sans linéarité. La mer monte infiniment. L'impossible compromis, tu vois, je n'arrive plus à nous sauver du désastre, en pleine lumière. Des éclats de rire sur la mer éclatée. Élan et reprise. Arrêt. La résistance des corps si instinctive se protège du regard insistant. Jouera ou ne jouera pas. Imagine-moi opaque, sous un burnou blanc. Imagine-moi pierreuse, les yeux masqués. Que l'indice de la voix en langue étrangère est déjà la relance du désir au cœur du labyrinthe. L'état sauvage à peu de choses près. Imagine le mouvement de la main au milieu des eaux sans compromission. De gré ou de force, ni la terre, ni le sang. Je finirai bien par t'apprendre à nager. Alors, si je suis ici pour parler de l'œuvre de Betty Goodwin, c'est parce que cette œuvre me bouleverse et que j'aime être bouleversée par les œuvres, les choses et les gens. J'ai visité l'ensemble de l'exposition. Il y a ici une trentaine d'installations. J'aurais pu en choisir d'autres. Celle d'Irène Witton ou de Jocelyne Alouchery. Mais Betty Goodwin, pour moi, c'est quelque chose de particulier. C'est une œuvre qui me bouleverse, me séduit, me fascine depuis toujours. C'est une œuvre que je suis à la trace depuis des années. Elle a fait des vestes, des nids. Elle a fait des bâches, des notes, des couloirs, des nageurs. Et puis tout à coup, j'entre ici, je vois ces trois grands murs. Puis j'ai le goût de m'y installer, de rester là, de regarder ça. Et la première chose qui me frappe en entrant ici, c'est de voir que Betty Goodwin a travaillé directement sur les murs. Et que donc, tout à coup, l'œuvre apparaît comme fragile. Tout à coup, il y a quelque chose d'éphémère dans ça. J'aurais pu rentrer comme on rentre dans les grottes de Lascaux. Et voir, oui, des œuvres sur les murs, mais savoir que je puis y retourner des années après et revoir l'œuvre. Ici, c'est une œuvre éphémère dans un lieu temporaire, ce qui fait qu'il faut que maintenant je m'y insère dans cette œuvre-là, parce qu'après, il sera trop tard. C'est important d'être tout de suite en contact avec cette œuvre-là, de se nourrir de cette œuvre-là et de la conserver dans des images et des mots. Ce qui m'intéresse aussi dans cette œuvre-là, ce qui pourrait être angoissant aussi, c'est que par moments, je la regarde, puis j'ai l'impression que, en fait, c'est un lieu vide. Comme s'il n'y en avait pas de dessin sur les murs, comme s'il n'y avait rien. Que c'était le lieu dépouillé, nu, qui existait, c'est tout. Comme si tout avait disparu, sauf le lieu. Puis à d'autres moments donnés, c'est le lieu qui disparaît. Comme si l'œuvre l'emplissait complètement, comme si les dessins devenaient gigantesques et à la limite me bousculaient, moi, au centre de l'œuvre. Il y a comme un mouvement d'apparition et de disparition. Il y a comme un mouvement dialectique entre l'œuvre et le lieu. Et j'ai l'impression que l'œuvre transforme le lieu et que le lieu est transformé par l'œuvre. Et j'ai l'impression que moi, je suis transformée et par le lieu et par l'œuvre. Angoissée, stimulée, et par le lieu et par l'œuvre. Ce qui apparaît, qui disparaît aussi dans cette œuvre-là, c'est le personnage. J'ai l'impression qu'avec Betty Goodwin, on est comme dans le processus de la création. Dans le premier dessin, ce que moi j'appellerais le premier mur, j'ai l'impression qu'on a des corps qui sont à peine esquissés. Un peu de bleu, des lignes noires, des traits
des traits pas finis, des têtes qui sont là, mais qui sont pas là tout à fait, qui sont comme barbouillées. Le début de l'œuvre. Puis tout à coup, je regarde le deuxième mur, et là, il y a tout à coup un corps qui apparaît, un corps violent, un corps qui fonce, un corps qui est en mouvement, un corps qui est coloré, dessiné dans une perspective qui, elle, n'est pas tout à fait complètement dessinée. Puis tout à coup, en bas à gauche, un tout petit croquis qui rappellerait le début, qui nous ramène au dessin, au premier dessin, à l'expérience de la création, au tout début, comme si Betty Goodwin reculait, revenait, reprenait les travaux du début. Puis après, on se retourne et puis on a le troisième mur qui, lui, est dans la lumière, est dans la couleur. Il y a des noirs, des roses, des rouges, des jaunes. Il y a comme une violence de couleurs, un éclatement de couleurs, de forme, de mouvement, comme une division, un déchirement aussi entre deux aspects de l'œuvre. Il y a aussi ces jambes gigantesques qui entrent ou qui sortent du mur. C'est plus seulement le mur cette fois-là, c'est aussi l'espace. Elle habite le lieu complètement. Puis on pourrait refaire le chemin à l'envers, c'est-à-dire qu'on pourrait partir de tout ce qui est là, du foisonnement de l'œuvre, puis on revient à l'envers, puis tout disparaît, la couleur lentement, le mouvement, puis tantôt les personnages, celui-là pourrait rentrer dans le mur et puis en ressortir un peu défait, un peu démantelé, dépouillé de sa couleur et presque dépouillé de sa forme, et on ressortirait, tout aurait disparu. Et puis il y a moi, au centre de l'œuvre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est-à-dire que c'est une installation. Betty Goodwin a fait une installation. Mais au moment où je me promène dans l'œuvre, au moment où moi je tourne dans cette œuvre-là, c'est comme si c'était plus seulement une installation. J'ai l'impression que je fais une performance au centre de quelque chose qui est tout à coup tout à fait théâtralisé. Alors, de l'installation, on passe à la performance, et autour de corps gigantesques, moi, je suis là, un petit corps au centre de tout ça, comme au centre des eaux. Je pourrais être dans une piscine, comme je pourrais être dans la mer, ou au milieu du feu, à cause du titre même de l'œuvre, Moving Towards Fire. Et là, je suis là, je me sens effrayée par tout ce qui se passe autour de moi. Je vois bouger, je vois circuler, je vois plonger, je vois couler. C'est comme si c'était moi qui coulais. C'est comme si c'était moi qui, tout à coup, me mettais à diminuer, à rapetisser au centre de l'œuvre, à couler avec l'œuvre. Oui, j'ai choisi une œuvre qui me séduisait. Et c'est pour ça que j'ai choisi un texte sur la séduction. Parce que pour moi, la séduction, ça passe par les corps, par les sens. Et il y a des corps suspendus autour de moi qui parlent à un corps en suspens. Il y a comme ce mouvement de suspension entre des corps qui sont là, peut-être figés temporairement, et mon corps qui bouge dans cet espace-là. Et il y a comme cet échange, de par la séduction qui se produit, cet échange de mouvement entre des corps, des sens, un mouvement de séduction.
Il y aura toujours un couloir, un masque, une silhouette pour nous posséder et ne pas nous comprendre. Nous tentons d'atteindre le jour. Nous tentons d'oublier notre pesanteur trop longue qui tombe et retombe. Nous ne trouvons aucune excuse à cela. Il y aura toujours un mythe qui se donne à déchiffrer sur les lignes de l'enfer. Magie de l'air, pouvoir du rien, selon un plan incertain, plus tard, à nouveau. Les événements, plus tard, c'est vrai, semblent incontournables. On y pense moins. La muraille du papier absorbe l'inconnu. Il n'y a jamais eu l'inconnu. Là où l'on s'étire, il y a immanquablement quelque chose. Le désœuvrement de nos actes délie les contours de la pièce. Ceci, la pièce. Ceci, les contours. Ceci, les actes. On tourne sur place. On change de place. La clarté repose dans l'espérance des miroirs. Si elle bouge, la vision est aspirée ou perturbée. Elle ne peut pas dormir. On passe un chiffon, on tire sur un bout de ficelle. Tout ce qui va vivre se confond avec le sol. Organe, monnaie, théorème. Impensable pourriture. Les piliers dégagés, on accède à ses peurs et à son siècle. La vérité inépuisable se personnifie dans le siècle. Il y a définitivement quelque chose. Si j'ai choisi l'exposition de Lise Major, qui s'appelle « Production », c'est parce que je pense que cette exposition-là, que cet artiste-là, nous donne finalement ce que j'appellerais un lieu de passage. Je pense que dans l'ensemble de l'exposition, on traite énormément des problèmes du mur. On traite énormément des problèmes qui renvoient à des questions aussi d'ordre biographique, d'ordre mythique, j'irais même jusqu'à dire d'ordre métaphysique. Ici, ce qu'on voit, c'est le déroulement d'un processus de production. On a la matière première, des tas de journaux. On a aussi les moyens de production. On a une espèce de bain là, qui sert à produire ce que j'appellerais des briques d'information. Et avec ces briques qui sont produites à partir de la matière première, l'artiste va construire un mur, ce que j'appelle un mur ou une muraille de papier. Et je pense que cette muraille de papier-là, moi, m'a beaucoup frappé, dans la mesure où, effectivement, l'information, qui est une façon de mieux comprendre et de mieux voir le monde, peut être aussi une façon d'empêcher de voir et de mieux comprendre le monde. Donc, l'information, les moyens de, les médias de masse, peuvent parfois contrôler et différer et empêcher certaines informations ou un certain sens de circuler. Et je pense qu'ici, on est face au problème du sens, qui circule, mais en même temps qui ne circule pas, qui est mis en boîte, plutôt qui est mis en brique, et qui nous empêche d'accéder à une connaissance un peu plus grande, un peu plus riche de ce que j'appellerais le réel, finalement. Moi, ça, l'exposition dans son ensemble, Aurora Borealis, m'a beaucoup frappé. Je pense que pendant plusieurs années, c'était nécessaire, on est revenu sur ce que j'appellerais le matériau, et les processus de production. D'ailleurs, ici, l'exposition est là pour l'illustrer. Mais actuellement, il semble qu'on change un peu de cap. Il semble, comme je l'ai dit tantôt, qu'on s'intéresse de plus en plus à ce que j'appelle le problème de la signification. Et cette signification-là passe non seulement par les matériaux, par la matière première, par la toile, la couleur, les formes, mais passe aussi par ce que j'appellerais le sens, le problème du sens. Donc, quel est le rapport d'un sujet artiste, d'un individu, avec sa pratique, et aussi quel est le rapport d'un sujet artiste à sa société qui permet ou qui influence cette pratique-là. Et je sens qu'actuellement, il y a une réflexion d'ordre, comme j'ai dit, mythique et même métaphysique sur le rôle, la place de l'artiste et de l'art dans la société. Ça me plaît énormément. Les avenues sont beaucoup plus larges que simplement constater ce que j'appelle le processus de création, montrer une matière première et en rester à ce constat-là. Je pense qu'on déborde sur quelque chose qui est de l'ordre presque du poétique. Je ne crois pas au progrès. Je pense qu'ici, on est peut-être dans les grottes de Lascaux d'une certaine façon. Sauf qu'on vit ça autrement, avec des moyens autres.
Quand j'ai parlé de mythique, ça renvoie justement à ça. De quelle façon, dans l'histoire, il n'y a pas des gestes qu'on pose, qui sont des gestes que peut-être posaient les hommes, les femmes préhistoriques. Je pense que la grande illusion est de penser qu'on puisse une fois pour toutes se démarquer d'une façon radicale de nos racines ou de notre histoire, de notre préhistoire. Personnellement, je n'y crois pas et je pense que l'exposition est là pour nous montrer que ça fait problème et qu'on doit se poser la question de cette histoire et de cette préhistoire. Oui. Je pense pas qu'il y ait vraiment de progrès, je pense qu'il y a tout simplement une différence radicale, mais pas dans le sens d'un progrès. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on puisse, à partir d'une masse de journaux qui servent finalement à diffuser de l'information, qu'on s'en serve pour montrer qu'avec cette information-là, on peut faire ce que j'appelle, moi, des briques ou des mises en briques. Et ce que je trouve aussi fabuleux, c'est que l'artiste a pu penser et réaliser un mur, finalement, une muraille de papier, pour nous montrer que parfois, effectivement, cette information-là empêche le lecteur ou l'individu de mieux comprendre les événements ou de mieux comprendre ce qui se passe dans sa société. Donc, c'est assez fabuleux de voir jusqu'à quel point un artiste peut arriver à transformer une matière première qui, de toute évidence, ne sert absolument pas à faire des murs ou à faire des briques et à nous montrer qu'à travers une matière première qui semble innocente, on peut arriver à faire tout autre chose et à créer une réflexion tout à fait inouïe, tout à fait surprenante sur l'art, la place de l'individu dans une société et surtout, évidemment, la place de l'artiste face à cette société-là. Ça m'a énormément impressionné. Je trouve qu'on est dans un univers qui est très kafkaïen, qui est très beckettien. Et c'est tout à fait séduisant, évidemment, pour un écrivain de faire face à ça, de rentrer dans ce monde-là. C'est vraiment un univers tout à fait étrange. Et cette étrangeté-là, effectivement, si l'art a un sens, c'est justement de nous révéler l'étrangeté en tant que telle. Et ça, je trouve ça absolument superbe. Pour ce qui est du poème, je pense que j'ai pris le poème parce que justement, dans le texte en question, je parle d'une muraille ou d'un mur de papier qui nous empêche de voir, qui nous empêche de sentir, de deviner l'inconnu. Alors qu'ici, avec quelque chose qui semble tout à fait banal et tout à fait connu, on est en plein inconnu, finalement, on est en pleine étrangeté. Et c'est ce qui m'a frappé le plus, et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux poèmes-là, parce que ces deux poèmes-là sont des textes qui travaillent dans ce que j'appellerais l'étrangeté, le non-dit, et renvoient effectivement à une étrangeté qui est l'étrangeté de l'installation dans laquelle on se situe actuellement. On n'est jamais par hasard au centre des choses dans la chambre de Prométhée, la chambre incendiée du sang des femmes, sous le regard des regardeurs regardés. Une maison noire, des signes qui émergent, une cellule qui se met à bouger. Tout d'un coup, j'ai peur. J'ai peur parce que c'est la mémoire des femmes qui se met en route. Toujours ce regard. Puis d'un seul coup, un mort. Un corps qui bouge, un bras qui sort, une tête encore, profil qui est rayé. Un texte toujours là avec 085, une croix. V comme vagin. H comme homme. D comme beautiful. Du sang, le sang des menstruations.
Une femme quelque part qui se cherche dans cette pièce, une femme du 20e siècle, qui tourne le redo, on regarde et regarde. Elle se promène, tourne en rond dans le ventre vagin de la chambre rouge. Le corps mutilé, atrophié, attaché, des corps qui bougent, des corps qui émergent dans le cercle rouge, qui surimpriment l'écriture du journal, d'une mémoire oubliée, d'une mémoire qui cherche, d'une mémoire qui accélère, d'une mémoire qui sature, d'une mémoire qui oublie, d'une mémoire qui invente, d'une mémoire qui écrit à coups de signe, à coups de barre, à coups de hache, qui se repose de temps en temps dans l'alignement, dans l'espacement, qui se balance, qui souffle, qui cherche, qui a mal, mal au fond d'une mémoire qui fait mal, qui crie rouge, qui crie passion, qui crie erreur, qui crie lutte, qui crie arrêt. Une chambre de feu, une chambre incendiée par Promethea. Une chambre où les enfants sortent comme de petites maisons dans la naïveté du geste. Quelque chose qui ressemble à un poème d'amour. Quelque chose qui repose l'incendie. Quelque chose qui rend la lumière rouge un peu plus habitable. Quelque chose qui essaye d'atténuer une longue histoire, une histoire passée, une histoire présente. Quelque chose qui mélange le temps, qui mélange les sexes, qui essaye de réinventer dans ce petit signe qui naît, dans cet enfant qui naît, dans ce personnage qui sera celui du 21e siècle. Quelqu'un de maladroit encore, une mémoire atrophiée, une mémoire qui cherche à incendier le passé. Une mémoire qui veut sortir d'une passion. Ici, c'est toutes les passions qui sont écrites sur les murs, et toujours en face, le regard des regardeurs, solide, encadré. Quelquefois, il apparaît encore dans les images, même s'il est gommé, il apparaît de profil, il apparaît de face, il apparaît masqué. C'est un regard, c'est une lumière. C'est pas cette lumière-là, c'est une autre lumière qui se cherche ici. Vous voulez savoir le regard des regardés, ce regard qui avance. Le regard de la mémoire des hommes dans la chambre des femmes. Le regard incendié sur lequel le rouge se répertue. C'est ce regard-là qui avance et qui s'estompe. Un regard présent, un regard qui monte, un regard qui s'éteint, un regard qui disparaît, un regard qui est là comme un arrière-plan, comme une entrée en scène. Un regard qui, petit à petit, fait silence dans la chambre rouge. Sans mots. La chambre rouge. Lunettes. Un mouvement. Un regard. Et j'ai envie de courir. J'ai envie de bouger. C'est comme le corps qui se met à bouger, qui se met à tourner, qui se met à danser, qui se met à chanter, qui se met à crier. C'est la chambre rouge. Encore un regard. Un texte voilé. Un regard triangulaire. Un geste d'enfant. Un silence. Une avancée lente. La chambre rouge. Quelque chose de... Non. Quelque chose de...
rapide comme un cercle qui se met à tourner à toute vitesse. Comme un cri retenu depuis des millénaires, comme quelque chose qui se met à bouger dans le ventre de la chambre rouge, comme une chambre agitée, comme une maison qui se met à s'écrire, comme un corps habité, comme un corps qui se met à tourner, qui se met à écrire en lettres rouges, en lettres noires, un tracé dans les cadres, hors du cadre, sur le mur, au plafond, dans les signes. Dans le silence. C'est drôle. J'avais oublié de vous. Le rouge, c'est la passion. Le rouge, c'est la mort. C'est le début de la vie. La transition.